Nouvelle journée d'audition pour la mission d'information parlementaire sur le génocide au Rwanda. Après les politiques, c'était ce matin le tour des militaires avec le premier d'entre eux, l'amiral Langsad, qui était chef d'état-major de l'armée à l'époque et qui a obtenu le feu vert de Lionel Jospin pour s'exprimer publiquement. Il défend l'intervention militaire française. Je vous propose d'écouter un extrait. La France a fait tout ce qu'elle a pu. Elle a passé à un moment donné, elle a conduit l'affaire, elle a préservé, je dirais d'une certaine façon, la stabilité de Rwanda jusqu'aux accords d'Arusha, elle a passé la suite aux Nations Unies. Donc, ce n'est pas la France qu'il faut reprocher ce qui s'est passé. Hein, la France, dans cette affaire-là, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Et je pense que, bon, on peut regretter l'échec ensuite. Alors, naturellement, l'échec, c'est celui de la communauté internationale. Et la France fait partie de cette communauté internationale. Mais ce n'est pas l'échec de la France. Je suis tout à fait clair là-dessus.